Alors, tout d'abord, je vous remercie de votre présence. Je vous annonce mon plan. Hein, donc, d'abord, un petit préambule pour mieux situer mon propos, hein, notamment sur les situations didactiques, on pourrait dire, de la littérature médiévale et de la fantaisie, deux de mes objets de recherche. Ensuite, j'en viendrai au cœur du sujet, c'est-à-dire les univers médiévalisants de la fantaisie, et puis les enjeux didactiques de la fantaisie médiévalisante, en allant un petit peu au-delà, et un petit épilogue. Alors, en préambule, pour mieux situer mon propos, par mon parcours, je pourrais donner l'impression de faire le grand écart entre deux séries d'extrêmes, hein, puisque à l'origine je suis médiéviste, je continue à faire des recherches dans ce champ-là, et notamment la littérature médiévale arthurienne, et parallèlement, comme vous l'avez vu, je m'intéresse beaucoup à la fantaisie pour la jeunesse, à la littérature pour la jeunesse en particulier, et aux aspects aussi didactiques à la fois de la littérature médiévale et de la fantaisie. Alors, donc, je pourrais donner l'impression de faire le grand écart entre deux séries d'extrêmes. D'abord, sur le plan littéraire, mes objets de recherche sont assez à l'opposé. D'un côté, la littérature médiévale, une littérature perçue comme patrimoniale et prestigieuse, et puis de l'autre, une littérature et même une paralittérature, la fantaisie, jugée comme très stéréotypée. Et en plus, je cumule, puisque je travaille plus particulièrement sur la fantaisie pour la jeunesse, comme je l'ai dit, donc au jugement de valeur plutôt négatif lié au genre de la fantaisie sur le plan littéraire, s'ajoutent les préjugés liés à la littérature de jeunesse qui a longtemps été perçue comme une sous-littérature. Donc on peut bien se demander avec tout cela ce qu'on pourrait attendre de la fantaisie pour la jeunesse sur le plan didactique. Alors, sur le plan didactique et pédagogique, on trouve encore d'autres paradoxes. La littérature médiévale, qui est pourtant très légitimée par les instances culturelles, se retrouve en fait cantonnée à la classe de 5e dans le secondaire, le temps d'une séquence, pour caricaturer un peu, mais à peine, et elle disparaît ensuite totalement des écrans radars des programmes, si je puis dire, au lycée, alors que c'est là, à mon avis, qu'elle aurait vraiment sa place et qu'on pourrait faire des choses assez poussées avec les textes médiévaux. Et donc, elle ne peut plus vraiment être abordée par la suite, après la 5e, grosso modo. Et d'ailleurs, à propos de la littérature médiévale, il apparaît que les enseignants se trouvent très démunis face à cette littérature qui donne le sentiment d'être difficile d'accès pour de nombreuses raisons, et encore plus aujourd'hui, avec un public auprès duquel la littérature patrimoniale et classique trouve de moins en moins d'écho. Alors la fantaisie, elle se trouve dans la même situation d'excommunication didactique, entre guillemets, mais pour des raisons opposées. Elle plaît aux élèves, en revanche elle n'est pas du tout légitimée par les instances culturelles qui décident des programmes, même si nous en reparlerons, Harry Potter, le phénomène Harry Potter a quelque peu changé la donne. Donc on voit, vous voyez, une sorte des situations inversées qui aboutissent finalement à une situation un peu similaire d'excommunication didactique, c'est-à-dire d'un côté une littérature qui plaît aux élèves mais qui est exclue de l'école, et d'un autre côté une littérature qui est légitimée par les instances culturelles mais qui est très cantonnée de toute façon dans les programmes. En tout cas, les élèves lisent, et le phénomène Harry Potter l'a bien montré. Le vrai problème n'est pas qu'ils ne lisent pas, mais plutôt qu'ils ne lisent pas vraiment ce que l'on voudrait qu'ils lisent, ou ce que l'on juge vraiment digne d'intérêt. Et là, je parle notamment de la sphère enseignante au sens large. Et c'est ce que montraient bien d'ailleurs des enquêtes sociologiques qui étaient très révélatrices, celle fondatrice de ce point de vue de Christian Baudelot, Christine Cartier et Marie Détré, et pourtant ils lisent, qui montraient justement que
les élèves lisent, mais autre chose hein, que les lectures de la sphère scolaire, hein, et une seconde enquête plus récente qui montre les mêmes tendances, qui confirme ce constat. Alors, comme mes objets sont à la fois la littérature médiévale et la fantaisie d'un côté, et puis la didactique de la littérature de l'autre, et d'ailleurs aussi la poésie, un autre genre face auquel les enseignants se trouvent souvent assez démunis. Cela fait quelques années que j'essaie d'articuler ensemble tous ces paradoxes et ces extrêmes. Or, je me suis rendu compte que non seulement la fantaisie présentait de nombreux atouts en classe, mais en plus qu'elle pouvait permettre de faire lire, entre autres, des textes médiévaux. Par ailleurs, s'il est vrai qu'il existe beaucoup de récits de fantaisie pour la jeunesse qui n'ont pas grand intérêt, il faut le dire, que ce soit sur le plan esthétique, la construction de l'œuvre, le style, de nombreux récits mériteraient cependant de faire l'objet d'une lecture accompagnée, justement parce qu'ils sont bien plus complexes que on ne pourrait le croire. Ainsi, certaines de ces œuvres peuvent contribuer à faire acquérir à de jeunes lecteurs, et notamment des lecteurs en difficulté, de vraies compétences littéraires. Donc j'entends par là interpréter un texte, faire des inférences, s'appuyer sur ses connaissances pour comprendre, émettre un jugement esthétique, mais comprendre aussi l'enjeu d'une œuvre sur le plan axiologique, c'est-à-dire sur le plan des valeurs morales, philosophiques, etc. Alors, pour trancher tout de suite un malentendu, si toutefois il y en avait un, certes, je viens faire aujourd'hui en quelque sorte une défense et illustration de la fantaisie en classe, mais surtout pas au détriment des classiques et de la littérature patrimoniale ou d'autres types de littérature. Bien au contraire, je pense que je l'ai montré par ce que j'ai dit précédemment. Et par ailleurs, ce n'est pas seulement par démagogie, mais par souci d'efficacité pédagogique et didactique. D'abord parce que, comme le montre donc l'enquête tout récemment de Philippe Clermont et Victor Lepau, et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs que Philippe Clermont est un didacticien, mais sa thèse porte sur la science-fiction. Hein. Comme le montre cette enquête, le plaisir de lire est de plus en plus déterminant pour certains publics, fâchés avec la littérature, du moins celle qui est légitimée culturellement, et certains sont par principe hostiles aux œuvres abordées en classe. Alors, de toute manière, la tendance est assez générale, et cette tendance a au moins un mérite qui est celui de permettre de rénover la didactique de la littérature et l'approche des textes, hein, l'approche traditionnelle des textes. Mais toujours est-il que la fantaisie a l'atout de pouvoir d'emblée recueillir l'intérêt des élèves, ce qui n'est pas à sous-estimer, et de ce fait, on peut penser qu'elle a aussi sa place dans les corpus abordés à l'école. Au-delà de cet atout, c'est surtout le fait de pouvoir réconcilier lecture privée et lecture scolaire, qui peut être assez déterminant pour les élèves dans le rapport qu'ils auront à la littérature, puisqu'il s'agit bien de cela, de construire un rapport privilégié et durable à la littérature, et de permettre à ces jeunes de devenir des lecteurs à la fois sensibles, capables de distanciation aussi, et cultivés de surcroît. Parce que oui, c'est possible avec la fantaisie, j'essaierai de le montrer. Alors, mes propos sont confortés par un inspecteur général de l'éducation nationale qui s'appelle Patrick Laudet, dans un document qui s'appelle « Placer en jeu de la littérature dans les nouveaux programmes du collège ». Donc, je lis la citation. « Nos élèves lisent parfois plus qu'on imagine, d'Harry Potter à toutes les productions, même douteuses de l'héroïque fantasy. Sans céder à la démagogie ou à la facilité, il peut être stratégique et intéressant de partir des lectures privées des élèves et de forger leur jugement en les conduisant vers des œuvres plus exigeantes. » Donc là, je pense qu'on est au cœur du sujet, et cette citation, forcément, ce propos me paraissait très bienvenu par rapport à ce que je voudrais montrer aujourd'hui. Et c'est ce que j'essaierai de montrer plus concrètement tout à l'heure. Je ne sais pas si aujourd'hui même il y a des enseignants en lycée professionnel,
dans le public. Je sais qu'il y en a potentiellement. Et je voulais dire qu'il existe peu de travaux sur la question du travail avec la littérature de genre à l'école, mais il en existe. Et donc, je voulais en particulier vous donner un exemple, hein, celui d'un article d'Anissa Belagin, « La place de la littérature de genre dans l'enseignement du français » en lycée professionnel, hein, qui dit des choses très intéressantes que je relayerai. Alors, pour l'instant, évidemment, il existe peu de choses en la matière. Bon, en revanche, il existe des numéros de revues pédagogiques qui sont extrêmement intéressants, que je citerai tout à l'heure. Et je tiens à disposition une bibliographie, si vous voulez, que je pourrais vous envoyer par mail ultérieurement. Alors, j'en viens maintenant au cœur du sujet, c'est-à-dire les univers médiévalisants de la fantasy. Mais dans un premier temps, je vais revenir sur ce qu'on appelle les littératures de genre, très rapidement. Alors, au sein des littératures de genre, je privilégie aujourd'hui la fantasy. Mais je voudrais préciser qu'on appelle ainsi les littératures qui reposent sur des codes très précis et très attendus des lecteurs, alors en particulier romans policiers, science-fiction, hein, à part la fantasy. Et ces genres qui reposent sur la stéréotypie, c'est-à-dire sur l'utilisation massive de stéréotypes, et qui ne se caractérisent pas a priori par l'originalité et l'innovation, que ce soit par les valeurs affichées, le style, l'intrigue, les personnages, ces littératures de genre ont rapidement eu mauvaise réputation auprès des instances de légitimation, en tout cas en France, puisque le problème ne se pose pas dans ces termes dans les pays anglo-saxons, hein. Mais en France et dans les pays européens, ce qui fait la valeur littéraire d'une œuvre, c'est l'écart qu'elle représente justement par rapport à certaines normes littéraires. C'est son originalité au sein du genre même dont elle relève. Et cela correspond tout particulièrement aux théories de Hans Robert Jauss, hein, les théories sur l'écart esthétique. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Hans Robert Jauss est par ailleurs un médiéviste. En tout cas, toujours est-il que les littératures de genre font aussi l'objet d'appellations assez révélatrices, paralittérature, voire plus franchement, mauvais genre. Mais après des études pionnières dans ce domaine, ces genres, ou du moins certaines œuvres issues de ces genres, font désormais l'objet de recherches universitaires très sérieuses et connaissent une certaine légitimation. Alors, une rapide définition de la fantasy. Donc, la fantasy est le genre dont les sources privilégiées, voire exclusives, du moins à ses débuts au XIXe siècle, sont les contes et les mythes. Elle constitue donc en ce sens une résurgence des textes merveilleux du Moyen-Âge, c'est-à-dire les textes dont le cadre spatio-temporel est anhistorique et baigné de surnaturel, mais un surnaturel d'emblée accepté par le lecteur, contrairement au fantastique apparu plus tardivement au XIXe siècle, et dans lequel le surnaturel fait irruption de manière très dérangeante et perturbante pour le personnage, parce qu'il exprime des angoisses profondes. Alors, on pense tous au Horla de Maupassant, par exemple, qui est emblématique de ce fantastique, et c'est justement sur cette distinction-là que Todorov fonde sa définition du fantastique par opposition au merveilleux, justement, qui reçoit d'emblée, disons, l'assentiment du lecteur, hein, qui est, c'est une sorte de contrat de lecture, on accepte d'emblée le surnaturel, et c'est d'ailleurs ce qu'on recherche quand on lit un roman de chevalerie du Moyen-Âge ou un texte de fantasy. Donc, le surnaturel de la fantaisie est du moins au départ celui des contes merveilleux, avec forêts enchantées, objets magiques, créatures surnaturelles. C'est la raison pour laquelle les romans de chevalerie du Moyen-Âge et la légende arthurienne constituent deux sources majeures d'inspiration du genre. D'ailleurs, au-delà de la littérature médiévale, c'est l'univers médiéval lui-même qui constitue une source d'inspiration, d'ailleurs très fantasmatique en fantaisie,
puisque bien évidemment, les univers moyenâgeux de la fantaisie n'ont pas grand-chose d'historique et constituent le reflet des projections très ambivalentes que nous faisons sur cette époque. Alors d'un côté, la courtoisie, la loyauté, les valeurs épiques, et de l'autre, la misère noire, les guerres, la barbarie. Alors je pense en particulier à une grande série à succès du moment, hein, Game of Thrones, qui est assez significative sur ce plan. Alors, je me permets une très rapide pause publicitaire, puisque le 19 mai va ouvrir un MOOC sur la fantaisie à l'Université d'Artois, porté en particulier par la spécialiste de la fantaisie qu'est Anne Besson. Et vous pourrez savoir tout ce que vous vouliez savoir sur la fantaisie sans oser le demander, donc l'histoire de la fantaisie pour la jeunesse, les rapports entre fantaisie et Moyen-Âge, la romance urbaine et paranormale, la fantaisie dans les médias en particulier. On peut se poser plusieurs questions au sujet des mondes médiévalisants de la fantaisie. Qui est à l'origine de cette mode des mondes moyenâgeux en fantaisie? Première question. Et deuxième question, pourquoi un tel engouement pour ces mondes pseudo-médiévaux? Alors, à l'origine, la fantaisie naît en Angleterre à l'époque victorienne, donc l'époque victorienne c'est 1837-1901, et elle constitue une sorte de réaction, une échappatoire face à une société ressentie comme très conservatrice, rigide, et le genre est d'emblée associé à la jeunesse puisque les deux œuvres fondatrices de la fantaisie sont Alice au Pays des Merveilles, la très belle illustration de la partie de thé par Arthur Rackham, et Peter Pan, alors là Peter Pan via Walt Disney, hein, et il se constitue ainsi une tradition de récits merveilleux destinés à la jeunesse qui deviennent de grands classiques. Alors parallèlement, certains auteurs s'inspirent de la culture médiévale dans leurs œuvres, dans des œuvres cette fois destinées, qui ne sont pas spécifiquement destinées à la jeunesse. Donc William Morris, par exemple, qui s'inspire des Eddas irlandaises, ou Elric Rucker Edison, Lord Dunsany, et notamment aussi Terence Hanbury White, hein, qui est le premier, disons, à s'inspirer du mythe arthurien. Hein, et donc, son très célèbre cycle de l'épée dans la pierre, qui n'était d'ailleurs pas spécifiquement destiné à la jeunesse au départ, et donc dont la célébrité est due, entre autres, à l'adaptation par Walt Disney. Alors, par ailleurs, dans les années 1930, apparaît aux États-Unis une littérature populaire qui se développe en particulier dans ce que l'on a appelé les pulps. Ce sont des magazines, en fait, qui sont fabriqués avec de la pulpe de bois, d'où leur nom. Et c'est dans ces magazines qu'apparaissent nos super-héros d'aujourd'hui, qui ne sont autres, finalement, que des chevaliers des temps modernes. Alors, un de ces magazines est dédié à l'horreur et au fantastique. Il s'appelle Weird Tales. Et c'est dans ce dernier que seront publiés Cul d'Atlantis en 1929 et Conan le barbare de Robert Edwards en 1932, qui se déroule sur des continents disparus à l'époque préhistorique et à un âge où la sorcellerie est omniprésente. Edwards est donc le père de l'heroic fantasy, aussi appelé Sword and Sorcery. De là naissent des œuvres dans ce sillage qui font la part belle, selon les mots de Jacques Guamard, un spécialiste de la fantaisie, qui font la part belle à l'action et à la violence, et auxquelles on reproche vite leur manque de substance thématique et leur idéologie souvent douteuse. Et bon, vous connaissez peut-être aussi le jeu de mots sur Conan le barbare que je ne me permettrai pas de... Bon. Alors, l'œuvre qui change la donne dans les années 50, c'est évidemment, vous l'aurez deviné, le cycle de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, en 1954, qui révolutionne véritablement l'héroïque fantasy, qui donnera naissance dans les années 70 à la fantasy épique. Et Tolkien est à l'origine d'un modèle dont les principaux traits sont les suivants. En fait, on pourrait dire que d'une certaine manière, Tolkien a fondé un archétype, hein, de la fantasy épique. Donc un monde secondaire, donc, qui n'est pas le nôtre, hein,
dans lequel la société décrite est de type médiéval occidental, un monde caractérisé par la présence de créatures et de personnages provenant de mythes ou de contes merveilleux, notamment avec tout un bestiaire merveilleux, une lutte manichéenne entre le bien et le mal, et puis le thème structurant de la quête initiatique qui implique bien évidemment aussi le déplacement du héros. Alors, la fantasy épique représente aujourd'hui encore la part la plus importante du genre, parce que Tolkien a une influence déterminante, voire écrasante, et cela est vrai aussi bien pour la fantasy en général que pour la fantasy pour la jeunesse, même si c'est en train de changer. Alors, toujours est-il que Tolkien a eu une influence majeure donc, sur la fantasy, comme je le disais, avec des aspects très positifs et d'autres beaucoup moins. D'un côté, Tolkien a incité à beaucoup plus de complexité dans ce registre, et certaines grandes œuvres de la fantasy épique se situent dans son sillage. Alors, on pourrait citer Robin Hobb, Tad Williams, par exemple, et bien d'autres encore. Et d'un autre, de nombreux auteurs se sont contentés de reprendre le schéma de la quête dans un monde moyenâgeux, à tel point que cette tendance a un nom, Fantasyland. Fantasyland, ou le monde des châteaux forts, des donjons et dragons, des princesses rebelles, dans de grands espaces non soumis aux ravages de l'industrialisation, de grands espaces d'aventure où l'on échappe à la médiocrité et aux mesquineries du quotidien, ou à des réalités bien plus angoissantes auxquelles est soumis l'homme moderne. Ainsi, vous voyez que, partie de la première question, qui est à l'origine de cette mode des mondes moyenâgeux en fantaisie, nous arrivons à la seconde, pourquoi un tel engouement pour ces mondes pseudo-médiévaux? Et vous voyez que se dessine la réponse, la fantaisie est un genre nostalgique par excellence, nostalgie d'un monde perdu, qui peut être celui de l'enfance, celui d'un âge d'or imaginaire, celui d'un ailleurs et d'un autrefois, pour reprendre l'expression d'Alain Montandon. La fantaisie est aussi très écologique, puisqu'elle montre la beauté des grands espaces préservés de toute pollution, à une époque où cette question prend tant d'importance. Et c'est la raison pour laquelle la fantaisie, par sa nostalgie, a tendance à être considérée comme un genre régressif, ce qui est vrai en partie, mais ce qui est aussi démenti par les récentes publications, notamment en littérature de jeunesse. La fantaisie pour la jeunesse étant la plus innovante au sein du genre, très clairement. Et c'est par elle d'ailleurs que vient le renouvellement du genre. Donc pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en réalité, très peu d'œuvres de fantaisie médiévalisante s'inspirent directement de la littérature médiévale, à part quelques exceptions, telles que Tolkien justement, qui était un médiéviste et un grand érudit, ou Clive Staple Lewis, qui était d'ailleurs un de ses collègues, donc l'auteur des Chroniques de Narnia, ou encore William Morris, l'un des précurseurs de la fantaisie. Ce que la fantaisie prend au Moyen-Âge, c'est un rapport au monde, une absence de discontinuité entre surnaturel et naturel, une faculté d'émerveillement que le Moyen-Âge aurait en commun avec l'enfance dans nos représentations. Et finalement, tout ce qui plaît dans les mondes médiévalisants de la fantaisie, c'est ce pourquoi le Moyen-Âge a longtemps été mis à l'index, notamment à la Renaissance et au XVIIIe siècle, l'omniprésence du sacré et l'obscurité, voire l'obscurantisme propice à la magie et aux interventions des puissances démoniaques. Alors, je vais en venir maintenant à des exemples en fantaisie pour la jeunesse de déclinaison de ces mondes médiévaux. Qui sont très nombreux, mais je vous propose de nous intéresser à quelques œuvres qui présentent certes des univers moyenâgeux, mais avec une certaine originalité, voire avec une certaine distance, avant d'en venir aux enjeux didactiques de la fantaisie et plus particulièrement de ces mondes moyenâgeux. Alors,
Donc, je vais vous présenter quelques œuvres qui jouent avec les stéréotypes du monde moyenâgeux ou qui leur confèrent une nouvelle profondeur ou une nouvelle richesse. Alors, bien évidemment, on va évoquer Harry Potter. Alors, si on s'amuse à un petit jeu de piste pour retrouver les éléments moyenâgeux, on trouverait bien sûr le cadre géographique de Poudlard, un château médiéval écossais. Je dis médiéval écossais parce que justement J.K. Rowling l'a dit, hein, qu'elle s'était inspirée d'un château médiéval écossais pour imaginer Poudlard. L'omniprésence de la magie, les aspects carnavalesques, puisque le carnaval dans la société médiévale a un aspect très important. Hein. Alors, on peut penser aux farces et attrapes des jumeaux Wesley en particulier. Et je cite Isabelle Way, les transformations malencontreuses, les furoncles, les éruptions, les pustules, les dents qui grandissent démesurément, les pilosités incongrues, sans oublier les chaussettes sales hurlant si on veut les remettre, font partie des joyeusetés de notre texte. Donc ça, c'est un premier aspect. Ensuite, si on veut aller plus loin, déjà, on peut remarquer que le schéma épique est très présent dans Harry Potter. Donc là, je m'appuie notamment sur l'article d'une collègue, Isabelle Veil, Harry Potter ou les enfances d'un héros épique. Et elle montre justement la présence, la forte présence du schéma épique dans l'œuvre. D'abord, le schéma épique qui veut qu'un orphelin soit recueilli par des étrangers et découvre ses vraies origines, retrouve ses parents ou les venge du traître qui les a fait mourir. Ensuite, un monde très structuré où chacun a sa place et l'organisation en maison le montre bien. Hein. Et on pourrait faire le parallèle avec les différents seigneurs, les différentes seigneuries. Les matchs de Quidditch qui s'apparentent fort à des tournois dans leur déroulement. Et puis une éthique chevaleresque, les valeurs épiques éternelles du courage, de la loyauté, de l'amitié et du compagnonnage, mais aussi de l'abnégation et du don de soi en toute humilité. Alors, personnellement, pour ma part, ce à quoi je suis plus spécifiquement sensible en tant qu'assez bonne connaisseuse de la littérature médiévale arthurienne sur laquelle portait ma thèse, c'est l'analogie frappante entre le personnage de Harry Potter et Perceval, le personnage de Perceval notamment tel qu'il apparaît dans le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, qui est vraiment le récit fondateur de la légende arthurienne, en tout cas dans la littérature française. Et je citerai rapidement quelques traits, donc deux orphelins élevés à l'écart et marginalisés. La quête des origines, bon ça c'est présent dans tout récit, mais elle est très forte ici. La quête des origines et la présence de nombreuses figures paternelles pour chacun des héros, alors à commencer par Dumbledore pour Harry, mais on pourrait citer aussi Sirius Black, on pourrait citer aussi Lupin, et pour Perceval c'est pareil, on pourrait citer Gornement de Gohor qui va justement lui apprendre à être un chevalier, Arthur, etc. Ce sont deux élus appelés aux plus hauts exploits, et dans chacun des cas, il y a une prophétie. Et puis surtout, deux personnages qui appellent à un autre modèle de société, puisque justement, le Conte du Graal qui n'a pas été achevé, et je pense que c'est aussi ce qui fait son pouvoir de fascination, le Conte du Graal a beaucoup été glosé dans le sens que Chrétien de Troyes veut montrer que la chevalerie traditionnelle, la chevalerie terrestre, entre guillemets, arrive un peu en bout de course et qu'il faudrait un nouveau modèle plus spirituel qui est appelé chevalerie célestielle, justement, dans les romans du Graal, tandis que Harry Potter est en fait un anti-Peter Pan. Selon le titre justement de l'ouvrage très, vraiment très stimulant d'Isabelle Cany. Hein. Et donc tous deux proposent vraiment un nouveau modèle de société d'une certaine manière. Alors de manière plus générale, le schéma de la quête du Graal reste un archétype dans la fantasy pour la jeunesse,
qui est exploité avec plus ou moins de bonheur. Hein. Alors je me permets justement de faire référence à un article apparaître sur la question, dans lequel évidemment j'évoque Harry Potter en particulier, mais aussi d'autres titres, dont certains que je vais citer ensuite. Alors, pour continuer sur la présence en filigrane de la quête du Graal dans Harry Potter, bon, on peut préciser déjà que J.K. Rowling connaît bien la légende arthurienne, qu'elle a pris des cours à l'université en France, hein, notamment sur la littérature du Moyen-Âge. Donc pour le coup, là, on aurait un exemple de filiation directe. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle s'amuse un peu à prendre de la distance avec la légende, et puis à effectuer des effets de brouillage parfois. Hein. Mais néanmoins, on trouve assez rapidement quand même de très fortes allusions, et même plus que fortes. Alors, qui est ce personnage, Merlin ou Dumbledore? Alors, si on veut aller plus loin dans les parallèles, les deux personnages, alors de même que Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, évidemment, est aussi un avatar de Merlin, donc des origines mystérieuses, hein, Merlin a des origines celtiques, et dans la mythologie celtique, on connaît très mal ses origines. Ensuite, dans la littérature médiévale, on le fait apparaître comme un fils d'une vierge et d'une vierge très très comment dire très pure et du diable. Et donc, c'est un personnage d'emblée très ambivalent. Hein. Alors, les apparences d'emblée, que lit-on au premier chapitre de Harry Potter sur Dumbledore? Il était grand, mince et très vieux, à en juger par la couleur argentée de ses cheveux et de sa barbe qui lui descendait jusqu'à la taille. Il était vêtu d'une longue robe, d'une cape violette qui balayait le sol et chaussé de bottes à hauts talons munis de boucles. Et la suite de la description évoque ses lunettes en demi-lune, son nez crochu. Hein. On pourrait faire le parallèle aussi concernant la grande sagesse qui est la leur, mais ils ont aussi des failles. Hein. Merlin se fera emprisonner bêtement par Viviane, et Dumbledore a cédé à un moment donné aux théories eugénistes de Grindelwald, et il s'en repentira et justement consacrera le reste de sa vie à réparer cette erreur. Hein. Ils ont tous deux d'immenses pouvoirs, ça ce n'est pas à prouver, hein. Et ils sont tous les deux facétieux. Alors je prends pour exemple la locution de Dumbledore aux élèves juste avant le banquet qui suit la cérémonie du choix-peau magique et qui se termine par ces mots: Nigo, gras double, bizarre, pinson, je vous remercie. Voilà. Donc vraiment le parallèle est quand même assez poussé, et en plus il est premier commandeur de l'ordre de Merlin tout de même. Donc je pense que là c'est assez clair. Alors bien entendu, en ce qui concerne le Graal, on peut en trouver des avatars dans Harry Potter, hein, alors la coupe de feu par exemple, mais il y a surtout des anti-Graals. C'est un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, hein, il s'agit de rassembler ces horcrux maléfiques, et donc finalement Harry doit récupérer des objets extrêmement puissants, hein, mais maléfiques, qui pourraient faire basculer le destin du monde, pour le dire rapidement. Hein. Alors, j'en viens à un autre cycle qui me paraît intéressant de ce point de vue, qui est français. Le livre des étoiles d'Éric Lhomme, que vous connaissez peut-être. Alors, il y a trois mondes dans le livre des étoiles. Le pays d'Is, où vit Guillemot, le jeune héros. Le monde certain, qui correspond au nôtre en réalité. Et puis le monde incertain, qui est justement un monde aventureux. Voilà, très, très périlleux, aventureux. Et je lis alors la description du pays d'Is rapidement. Le pays d'Is, comme Guillemot l'avait appris en cours d'histoire et géographie, avait été 8 siècles plus tôt un petit morceau des côtes françaises qui s'était détaché au cours d'une effroyable tempête.
Il s'avait alors dérivé vers le large, puis des vents contraires l'avaient ramené vers les terres où il avait repris sa place. Mais une place particulière, car le pays transformé en île ne figurait pas sur les cartes et les habitants de la France ignoraient son existence. Il s'était ancré entre le monde certain, auquel il appartenait avant, et le monde incertain, étrange et fantastique. Alors, ce qui est intéressant par rapport au pays d'Is, bon, c'est que, outre, évidemment, il permet de retourner à la légende originelle, c'est un monde qui, tout en offrant des paysages très préservés, entre guillemets, et très beaux, est un monde qui a pris le meilleur, et c'est dit assez explicitement, du monde certain, c'est-à-dire le nôtre, lui laisse la pollution, tout le reste, et par exemple, il y a des ordinateurs et du Nutella au pays d'Is. Hein. Alors, dans le livre des étoiles, il y a un avatar du Graal qui est tout simplement le livre des étoiles qui donne son nom au cycle, qui est un objet magique très puissant qui détient les secrets de l'univers, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ce livre des étoiles qui est tombé entre de mauvaises mains doit être récupéré. Hein. Et je voudrais préciser d'ailleurs que d'ailleurs le livre est un objet dans les cycles de fantasy pour la jeunesse qui est souvent un avatar du Graal en fait, hein, parce que très symboliquement il représente la connaissance, il représente le choix, et donc il se substitue souvent au Graal, mais on retrouve vraiment en filigrane l'archétype de la quête du Graal. Alors dans le livre des étoiles, il y a un autre avatar de Merlin qui est Cadéar, justement, le maître de Guillemot, qui va l'initier à devenir justement un grand sorcier. Alors, un autre cycle extrêmement riche aussi, que vous connaissez peut-être, c'est le cycle des Wilan de Pierre Bottero. Il y a en fait deux cycles. Deux cycles qui se sont succédés à chaque fois, deux trilogies. Le monde parallèle de Gwendalavir me paraît intéressant, puisque c'est un monde qui, a priori, est un monde pseudo-médiéval. Mais ce qui m'apparaît intéressant, c'est que l'auteur joue justement un peu avec le stéréotype, c'est-à-dire que Salim et Camille, alias Ewilan, arrivent dans une sorte de bourg médiéval lorsqu'ils pénètrent dans ce monde parallèle, où se tient un marché vraiment très pittoresque. Hein, le héros, enfin Salim, ne peut s'empêcher de déclarer « on se croirait revenu au Moyen-Âge hein, ». Donc c'est une manière justement de mettre le stéréotype à distance qui est assez intéressante. Et donc cette déclaration fonctionne comme un clin d'œil au lecteur en signalant justement le jeu sur des conventions qu'on se réapproprie, mais tout en les mettant à une certaine distance. Mais par ailleurs, il est écrit aussi, noir sur blanc, que l'air est pur. Hein, dans le monde de Gwendalavir. Et d'ailleurs, des jeunes lecteurs qu'on interroge hein, dans un numéro de lecture jeune consacré à Bottero disent qu'ils aiment Gwendalavir parce que l'air y est plus pur. C'est quand même assez, assez révélateur. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce récit, dans ce cycle, c'est qu'il évolue ensuite vers la dystopie et la science-fiction hein, et qui permet d'aborder la question de l'hybridation des genres qui est vraiment aujourd'hui très prégnante en fantasy et notamment en fantasy pour la jeunesse. Alors, je citerai un dernier cycle, celui des Hauts Conteurs de Olivier Perru et Patrick Maxper. Ce qui est intéressant, c'est que là, un ancrage historique est donné, puisque l'histoire commence dans le village de Twickesbury, en Angleterre, en 1190. Et le personnage qui donc aspire à devenir haut conteur, qui est une caste très, très vénérée hein, et dotée de grands pouvoirs, va circuler à travers toute l'Europe. Hein. Et donc là, pour la question
du, justement du rapport entre réalité historique, fiction, ça peut être assez intéressant. Alors, Roland est chargé de retrouver très clairement un anti-graal qui s'appelle le livre des peurs. Hein. Une comparaison, des parallèles sont aussi faits avec la Bible et il y a des allusions explicites à la quête du Graal, parfois sur le mode de l'ironie, parfois sur un ton plus neutre. On trouve par exemple « Comme d'autres ont cherché le Saint Graal, nous poursuivons ce livre ». Et puis à un moment donné, des amis du personnage lui disent « T'attends là tout seul, comme un chevalier qui espère voir passer le Graal ». Voilà. Alors j'en viens donc à présent aux enjeux didactiques de la fantasy médiévalisante. D'abord, elle permet d'aborder la notion de stéréotype et son importance en littérature. Alors il y a un didacticien qui a consacré ses recherches vraiment sur la question du stéréotype comme enjeu didactique, qui s'appelle Jean-Louis Dufailly. Alors, je vous cite cet article, mais il a vraiment été extrêmement prolixe, mais l'intitulé de cet article me paraît vraiment significatif. Le stéréotype est un concept clé pour lire, penser et enseigner la littérature. Et en effet, puisque je disais tout à l'heure que finalement toute littérature se fonde soit sur des stéréotypes, soit sur l'écart par rapport à par rapport à ces stéréotypes, déjà, identifier des stéréotypes, ce qu'ils sont, leurs enjeux, peut paraître fondamental finalement. Hein. Et donc, ça, pour le coup, avec ces univers médiévalisants, on peut aborder de très nombreux stéréotypes, hein, et voir comment ils fonctionnent. Alors, j'en profite d'ailleurs rappeler qu'il existe un numéro de Lire au lycée professionnel sur la fantaisie, hein, et dans lequel on présente un exemple de séquence sur le Seigneur des Anneaux, hein, et aussi sur l'Enfeust, puisqu'il y a aussi, là je n'en ai pas parlé, mais beaucoup de bandes dessinées médiévalisantes, hein, dont certaines sont de qualité, et donc l'Enfeust en particulier peut tout à fait être abordé avec bonheur auprès d'élèves. Les stéréotypes liés aux univers médiévalisants, ce sont en particulier des types de personnages, des types de paysages, etc. Hein, on pourrait faire toute une liste. Hein. Bien sûr, on peut revenir, ça permet aussi de revenir à la source aussi de ces stéréotypes qui est le Seigneur des Anneaux. Hein, et le Seigneur des Anneaux lui-même permet de revenir à l'épopée, hein, au genre de l'épopée. D'ailleurs, Tolkien s'est inspiré directement pour le coup d'une épopée qui s'appelle Beowulf. Hein. C'est une épopée anglo-saxonne et il s'est beaucoup inspiré aussi des mythologies nordiques. Donc on peut vraiment retrouver des textes fondateurs pour le coup, hein, par le biais de certains textes de fantasy. Hein. Donc idem pour la quête du Graal. On peut revenir aux sources, notamment au Conte du Graal, qui est quand même une œuvre incontournable, et sur ce que c'est que le Graal, hein, dont on connaît finalement assez peu de choses. Alors j'en profite pour signaler des numéros très intéressants de TDC sur la légende arthurienne, avec des dossiers de fond et des dossiers pédagogiques, vraiment très riches. Il y en a un d'ailleurs sur... Alors parce que maintenant il se décline aussi en version école, c'est pour ça que je montre deux fois le même. Et dans celui qui est destiné au secondaire, il y a tout un dossier justement sur Merlin. Hein, Merlin et ses avatars, et qui est très 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 bien fait. Veuillez m'excuser, ça n'est pas très bien passé, mais ce qui me paraît aussi intéressant, c'est que
Il y a une sorte de stéréotype aussi, qui est que tous ces récits présentent des cartes. Hein, et ces cartes, ce sont des mondes à rêver, hein, avec une onomastique très, très révélatrice. Alors, là, ici, il s'agit de la carte du monde incertain, hein, du livre des étoiles. Alors, côte hurlante, mer des brûlures, garrigue rousse, bois dépendu, colline grise, colline mouvante, etc. Donc, on peut tout à fait proposer, par exemple, à des élèves d'imaginer leur carte, d'inventer une carte, et puis aussi, à partir de cette carte, d'imaginer un récit, puisque la carte laisse déjà anticiper, imaginer sur toutes les... C'est un vrai, véritable potentiel d'aventure, d'ailleurs, dont certaines seront exploitées, d'autres pas. Hein, donc, on peut tout à fait investir des lieux qui n'ont pas été complètement exploités dans le récit, etc. Donc, je trouve que c'est, pour le coup, vraiment une très bonne amorce, que ça peut donner lieu à vraiment de beaux projets. Et d'ailleurs, dans l'un des numéros de TDC sur la fantasy, il y a justement des activités qui sont proposées autour de la carte, de ces cartes. Alors, épilogue, je me suis centrée donc sur les mondes médiévalisants de la fantasy, mais je voudrais insister de manière plus générale sur le potentiel didactique et plus largement réflexif de certaines œuvres de fantasy. Donc on peut philosopher avec Harry Potter, il y a notamment deux ouvrages très récents, enfin assez récents, sur la philosophie dans Harry Potter qui remonte vraiment à différentes théories philosophiques et montre comment elles sont déclinées dans Harry Potter, où se pose notamment la question du choix individuel, etc. Et on retrouve des personnages qui incarnent plutôt l'épicurisme, d'autres le stoïcisme, etc. La question qui est centrale dans Harry Potter, c'est quand même la finitude humaine. Hein, et du coup, ces questions peuvent être abordées. On peut réfléchir sur ce qu'est la fiction avec l'Histoire sans fin, ce récit extraordinaire de Michael Ende qui date de 1979 et qui rejoint les principales, ce qu'on a appelé les théories de la réception, qui montre le rôle central du lecteur dans l'élaboration du sens de l'œuvre et font même de lui un co-créateur, puisque vous savez que ce qui arrive à Bastien, le personnage, c'est qu'il bascule dans l'histoire qu'il était en train de lire et qu'il devient le personnage de la fiction qu'il lisait, par une sorte d'effet de mise en abîme de l'acte de lecture, qui est extrêmement passionnant. Et ce qui est troublant, c'est justement que un des théoriciens à l'origine des théories de la réception, Wolfgang Iser, qui est allemand justement, avait publié 3 ans auparavant son œuvre fondatrice sur le sujet qui s'appelle L'acte de lecture. Donc je trouve ça assez frappant comme coïncidence, mais en tout cas, de manière très sensible, on touche en lisant l'Histoire sans fin à tout ce qui est vraiment au cœur des théories de la réception et de ce qu'est l'acte de lecture. Donc ça me paraît particulièrement intéressant. Et puis, on peut s'intéresser entre autres à la théorie des mondes possibles et aborder les théories de la physique quantique avec Philippe Pullman. C'est une œuvre extraordinaire dont le succès a quelque peu été éclipsé par celui de Harry Potter. Et il m'a semblé que c'était une bonne transition, Les mystères de la science dans la trilogie de Philippe Pullman à la croisée des mondes. Je vous remercie. Merci beaucoup.